Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des pré-réglages les gars de Fortnite Battle Royale, les nouveaux pré-réglages qui sont ici, donc les emplacements d'objets préférés. Grâce aux emplacements d'objets préférés, vous pouvez désormais attribuer un type d'arme ou d'objet à un emplacement précis, donc cette option est activée par défaut, rendez-vous dans l'onglet jouabilité. Donc les gars, l'onglet jouabilité pour ceux qui ne savent pas y aller, c'est ici, paramètres, et vous allez ici dans jouabilité. Ensuite, vous allez devoir ici aller en bas, les gars. Alors, jusqu'ici, on avait les seuls placements qui étaient lorsque vous choisissiez par exemple de mettre les soins, potions totalement à droite dans votre inventaire. Et maintenant, les gars, nous avons les emplacements d'objets préférés qui sont ici. Regardez, emplacement d'objets préférés, oui ou non. Donc, vous pouvez les mettre oui ou non. Donc, si vous ne voulez pas, vous pouvez sélectionner non et continuer à faire comme avant, les choisir manuellement. Donc, si vous faites oui, vous avez là. L'emplacement numéro 1, donc vous pouvez regarder, choisir ce que vous voulez. Donc regardez, vous voyez ce que je veux dire? On peut tout mettre. Donc là, normalement, la plupart du temps, les gens mettent le fusil d'assaut. Ensuite, on est suivi par le fusil à pompe. Peu importe soit-il, vous pouvez choisir le fusil à pompe et ça vous le mettra par défaut dans l'emplacement. Ensuite, les gars, le troisième, normalement, qui est la logique des choses, c'est le pistolet mitrailleur ou le fusil de sniper. Donc moi, non, normalement, je mets le pistolet mitrailleur. Le fusil de sniper viendra le remplacer quand j'en trouve un et quand je décide de le mettre. L'emplacement numéro 4, ce sera normalement les utilitaires et les objets à usage unique. Donc tout ce qui est grenade, etc. Je le mets là. Et à la fin, donc les soins, c'est ce que je fais d'habitude. Donc je vais appliquer ça comme ça. Donc placer les objets comme ça ou dépendant de comment vous les utilisez, surtout sur PC. On observe qu'ici à ce niveau-là et là, normalement les gens mettent même sniper AR par exemple, et après ils mettent le pompe, etc. Et ils n'ont pas du tout le même, on va dire, la même interface que nous, puisque avec les touches ils peuvent revenir en arrière, etc. autant de fois qu'ils veulent que nous, lorsqu'on fait droite gauche sur les analogiques, etc. Et bien forcément, on peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Mais en tout cas, les gars, les objets sont comme ceci. Et comment dire, lorsque vous avez un pompe bleu, c'est expliqué ici, voyez ou pas, la rareté sera remplacée par la rareté supérieure. Donc par exemple, si vous êtes en blanc ou en gris, hein, vous passerez en bleu. Et bien quand vous passez en bleu sur un pompe, ça vous échange directement le pompe que vous avez ici. Tout simplement. Donc c'est super bien fait et facile à comprendre. J'espère en tout cas que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr les gars de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre le code créateur Telmo-Lopez dans la boutique. Je vous retrouve tous les jours en live boutique à 1h55 du matin. Et bien sûr les gars, à partir du mois d'août, je retrouverai les lives tous les jours, 21h minuit, tous les jours pendant l'année. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de rester zen. Ciao.